Et oui, c'est la fête, hein. Chaque été, c'est la saison des festivals. Et plus encore, le 21 juin, les artistes sont aux anges. Cet été 2021 ne fait pas exception, hein, malgré le coronavirus. Une occasion pour moi de rendre hommage à tous les artistes du monde, hein, qui continuent à nous bercer avec de la bonne musique. Et vous savez, pour la plupart de ces artistes, le début n'est pas toujours facile, hein. Ils se battent contre vents et marées avant de voir une lueur d'espoir. C'est le cas de l'artiste burkinabé Hamzi. La musique, est-ce une passion pour lui? Quand du roi vient comme ma poche, pour moi elle vaut de l'or. De ma ville, je suis love, mais je ne peux pas payer sa dot. Je connais roi vient comme ma poche. Oui, bien sûr, c'est une question de passion. Avant même la passion, il y a une question de patriotisme. Parce que je regardais beaucoup de choses dans le pays qui ne sont pas faites. À longtemps critiquer les choses, je me suis dit, mais pourquoi je ne le fais pas? Si moi je dis, je me plains que les artistes ne font pas ça, ils font pas ça ici. Pourquoi toi, ne pas venir et le faire et être un exemple pour les autres? C'est vraiment ça qui m'a poussé à vouloir faire de la musique, aller à l'encontre de mes parents. Sinon, c'était déjà une passion, mais je n'osais pas le faire. Et les parents qui sont contre, c'est un peu compliqué. Hamzi, avec votre langage spécifique dans vos chansons, vos lyrics, je me rends compte que vous produisez des questions et des émotions, des alertes et des sensations comme un peu pour sensibiliser votre peuple. Est-il prudent de dire que vous abordez plus des sujets de société, de la vie courante, allais-je dire? Oui, en réalité, c'est l'idée centrale de l'artiste. Parce qu'un jour, un homme sage m'a dit... Si tu parles toujours de ce que tu vois, ce que tu vis, ce que tu ressens, tu auras toujours quelque chose à dire. Et parler des trucs sociaux, moi je suis vraiment très très sociable. Je suis tout le temps entouré du monde. Depuis tout petit, je suis avec des gens. Donc c'est ça qui me fait en fait. Quand je suis avec ces gens, j'apprends beaucoup. Je vois comment les gens y vivent. Il y a ce que je ne trouve pas normal, il y a ce que je trouve normal. Bon, je me cache derrière ma musique pour pouvoir m'exprimer parce qu'en vrai, je suis quelqu'un de très timide. Et il y a aussi cette envie de parler des choses sociales qui fait que je fais ça dans ma musique. Et voilà, chers téléspectateurs, une occasion pour moi de vous souhaiter à vous tous, hein, une très bonne fête de musique, toujours en compagnie de VO Afrique. Enjoy!